Salut les amis, comment allez-vous? Ici Truck Driver 86 et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur Far Cry 3. Et comme je vous l'avais dit, donc vous avez pu voir une vidéo solo, une de coop en ligne, et donc là on va se faire un petit test du multijoueur, le multijoueur basique, hein, joueur contre joueur. Donc toujours sur Far Cry 3, je sais pas si je l'ai déjà dit, un jeu que j'apprécie mais vraiment. Mais vraiment, j'adore ce jeu, quoi, en fin de compte. Hein. Vraiment, c'est le jeu de cette fin d'année, de même tête de l'année. Donc, pour moi, à mon avis, hein. Multijoueur. Multijoueur, éditeur de cartes. Alors ça, j'ai jamais testé non plus l'éditeur de cartes, ni le multijoueur. L'éditeur de cartes, je regarderai peut-être vite fait, et puis on essaiera peut-être de se faire une carte ensemble. On verra ça. Je suis pas vraiment sûr. Je suis pas, moi, du genre créateur, Little Big Planet et tout, vous voyez, les mecs qui font des super mondes et tout, ils doivent y passer des heures. Moi, c'est vraiment pas de mon truc. Donc là, multijoueur, partie rapide, sélection, partie personnalisée, archive de cartes, voir les invitations. Je n'en sais rien du tout. Partie personnalisée, c'est quoi? Commencer la partie, choix de la carte, paramètres. C'est moi qui fabrique la partie là, donc non, on va mettre partie rapide. Est-ce qu'il va nous en balancer dans une partie? Mais on peut même pas choisir son mode, genre match à mort ou match à mort par équipe ou quoi. Voilà, repère match à mort. Donc moi, si c'est du 1 contre 1, là, je suis mort de chez mort. Ah, donc, ce que j'avais fait en coop, les niveaux que j'ai gagnés en coop avec vous dans la vidéo précédente ont quand même été comptabilisés, puisque j'ai eu un bug à la fin de la vidéo, j'ai pas eu d'enregistrement, mais je suis quand même niveau 8. C'est pas mal, hein. Moi je prends, de toute façon. je prends. L3, ma configuration, voilà, tout ce que j'avais débloqué là, parfait, parce que je pensais que vu que j'avais bugué, choix dernière action, clémence, montrez-vous clément, blessez et humiliez votre ami. Alors là, faudrait que j'étudie vraiment ça de bien tête reposée, parce que là je sais vraiment pas. Tout ça là, qu'est-ce que c'est? Choisir un, hein, voilà, classe, créer une nouvelle classe, principal, AK-47, oh là là, tout ça, MP5, on va se prendre la AK-47, hein. Pas de mode, bah pas de mode, tant pis, viseur point rouge. On peut mettre combien de... Apparemment, on peut mettre seulement 2 accessoires. Et canon lourd. Allez, hop, canon lourd. C'est bon. Voilà. En secondaire, on va prendre le Magnum. J'ai rien débloqué pour lui. Ah si, recul réduit, là. Voilà. Et en compétent, en équipement, petite grenade... Gilet de protection. Gilet de protection. Voilà. Compétence. Recharge accélérée. Sixième sens. Vous prévient, hein, lorsque vous êtes dans la ligne de tir d'un ennemi. Allez, on va prendre ça, tiens. Toc. Grande gueule, augmente le rayon d'action de vos cris de guerre. Ouais. Ouais, d'accord. Je sais pas vraiment ce que j'ai pris là. Cri de guerre, résistance. Un cri de guerre qui augmente la santé maximale des coéquipiers. Ouais, d'accord. En attente de 4 joueurs supplémentaires. Bon, voilà. Hein, renommée. On va mettre classe 1. Bon, non, on va laisser AK-47. Allez, hop. Voilà. On est content. Donc, profil, choisir dernière action, blessé, humilié, allez hop, juste sous la ceinture, je sais pas ce que c'est tout ça. Clémence, juste fair play, punition dans les noirs, ouais bon, choisir un soutien d'équipe. Catégorie 1,
catégorie 2. Libère du gaz qui empoisonne et tue toute personne assez stupide pour la traverser. Ouais, c'est du soutien ça. Bon, il n'y a personne en fait, hein. Il n'y a vraiment personne. Qu'est-ce qui se passe? On attend un joueur supplémentaire. Dis donc, ça m'étonne qu'il n'y a vraiment personne là. Alerte, en train de quitter la partie. On va essayer de se retrouver une autre. Ah, voilà. Domination. Match à mort. L'équipe avec le plus d'éliminations le remporte. Transmission, brasier. On va se faire un simple match à mort au début. On va pas se prendre la tête avec des objectifs. Mais dis donc, il n'y a vraiment personne. Hein. C'est... C'est hallucinant, hein. C'est bizarre pour un jeu aussi bon qu'il n'y ait vraiment personne. On est déjà à 6 minutes, j'ai pas lancé une partie. Là. Ah, ça m'ennuie ça. Regardez ça, je sais même pas où je suis moi. Éditeur de tatouage. Alors, on va pas se lancer là-dedans tout de suite. Et dites donc, les amis, alors est-ce que c'est le fait qu'on soit lundi après-midi qu'il n'y ait personne? Je n'en sais rien du tout. Je vais pas requitter quand même. Sélection. Qu'est-ce qu'on va se faire? Domination. Brasier. Incendier les dépôts ennemis pour déclencher un brasier, puis capturer un radio. Capturer et conserver les éléments actifs, les émetteurs actifs, un émetteur de surchauffe fait gagner plus de points. Mélange d'affrontement, match à mort, domination, transmission de brasier. On va essayer de prendre ça alors, mélange d'affrontement. On aura un peu de tout dedans. Oui! Ah ben dis donc, c'était inespéré. C'est quoi ce bazar qu'il n'y ait personne sur ce multi là? L'heure est venue pour une domination sur épave. Je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à foirer. Un seul mot d'ordre, domination. Ah c'est excellent, c'est la voix de Vass. Tenez le point de contrôle ou crevez comme les sales racailleux que vous êtes. Vous voyez la jauge au haut de l'écran? Elle indique où en est le combat. Tous les points de contrôle sont indiqués par des balises. Restez près de ces balises pour capturer les points correspondants. Plus vous êtes nombreux sur un point, et plus ça capture est rapide. Ouais, c'est un mode domination, quoi. Si vous êtes solo, vous vous retrouverez comme un con pendant que vos potes feront tout le boulot sans vous. Vu ? Quand vous êtes en train de capturer un point de contrôle, une icône au milieu de l'écran indique la progression. Et pas moyen de prendre un point dans une zone disputée, alors traquez le connard qui vous emmerde et arrangez-vous pour qu'il prenne une bonne branlée. J'adore comment il parle, Vass, quoi. Bon, allez, hop. On va prendre la classe que j'ai faite tout à l'heure. Donc, ceux qui sont en bleu et qui clignotent en rouge, apparemment, c'est ceux qu'on nous prend. Ok. Alors. Puis je découvre la carte en même temps. Regardez ça, il y en a un petit là-bas, l'ennemi. Premier kill. On peut ranimer les gars là-bas. Attends, le gars, j'arrive. Ah, je me fais tuer pendant que je le ranime. Je sais pas, je fais croix pour m'accrocher à la vie, je sais pas pourquoi. On voit sous tous les angles l'autre comment il m'a tué. Si j'arrête d'appuyer sur croix, ben voilà, je meurs directement. Ah, c'est dommage, j'allais réanimer l'autre. Est-ce qu'on peut passer par là? Ils prennent le bateau!
prennent le bateau. Alors je risque de me perdre un petit peu. C'est bon, lui il a sauvé le bateau, ouais. Je sais pas à quoi ça sert les cris de guerre, franchement, honnêtement. C'est qu'il est le conteneur là qu'on doit prendre. Quelqu'un m'entend ? Je suis blessé. Allez debout. Sauver un gars. On prend les conteneurs. Et nous pique le bateau. Ah ! Ils sont sur le bateau, j'aurais dû m'en douter. Je m'accroche à la vie. Appuyez sur rond pour qu'il calme. Personne vient me sauver. Non, personne vient me sauver. Tant pis. J'étais planqué comme un planqué de campeur. Merde. Voilà, je veux jouer les sauveurs, mais... Ils sont morts. On prend le bateau. Ah. Allez donc. Entre le moment où je l'ai vu et le moment où je me suis décidé à tirer, il y a eu deux plombes. Le problème, c'est qu'on voit pas si l'autre vient nous réanimer quand on reste, quand on s'accroche à la vie, là. Non, il y a l'autre qui passe en haut. Voilà. En fait, je vais peut-être pas me faire chier à réanimer les autres, puisqu'apparemment les autres ont décidé de ne pas me réanimer. Ils veulent prendre les cabanes. Notre gaz toxique devrait les frapper. Dégagez. Les rebelles balancent du gaz toxique. Oh putain, je suis en plein dedans. Ah. Et franchement, je comprends pas tout. J'arrête pas de crever. Le gaz toxique, ouais, j'en étais juste à la limite là, apparemment. Allez toi, viens me réanimer là. Regardez le gars. Ah oui, putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle allait pas me réanimer, dis donc. Et on va prendre ça pour camper là-dessus. Là. Nos faux éclaireurs sont prêts à intervenir. Moi, je protège ceux qui capturent. Ne restez pas là, on attaque le bateau. On contrôle les conteneurs. Ouais. Allons-y. Abandonnez pas maintenant. Bon. Oh putain, je suis encore dans le nuage de merde là. Ils attaquent le cabane. Ils attaquent les cabanes. On va essayer de capturer le bateau. On a perdu les cabanes. Ouais, c'est vraiment en mode domination quoi. Oh là 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 là, j'ai vu qu'il y en avait un juste à côté, mais je croyais pas qu'il était au-dessus. Bon, de toute façon, je m'accroche pas à la vie, ça sert à rien. Il n'y avait pas de joueur autour de moi. Et puis on perd plus de temps qu'autre chose. Pas monter là-dessus. Ils attaquent le bateau. Ils nous piquent le bateau. Ils ont pris les conteneurs. Ah, mais ils sont forts, hein, je crois, en face. Ah, oh, il y en avait un dans le coin. Dis donc, il y en avait un à chaque coin de pièce, là, ici. Je vais passer par là-bas, moi, pour prendre les autres. Tenez bon. A chaque fois qu'il écrit d'appuyer le cri de guerre L3 plus R3, je le fais. Je sais pas en quoi ça consiste, mais je vois que ça donne des XP. Si vous le savez, dites-moi dans les coms. On attaque le bateau. Oh, comme j'ai raté mon lance-grenade.
Ah, mais dis donc, ça a tué l'autre là-bas. C'est bon là, le bateau là? Oh, bah c'est bon ça. Ah! Ah, dis donc, j'ai eu le temps de me retourner. Par contre, j'ai pas trop compris les systèmes de points là en haut, là, c'est la barre là. Je découvre vraiment là. Mais comment ils font pour balancer des gaz, tout ça? Ah, mais il y en a un là-bas. Là. Oh là 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 là, ce gaz! Et l'autre, mais il faisait quoi là? Il était où? Je le voyais même pas moi. Ah, y'a pas besoin de tapoter quoi, faut juste rester appuyé. Votre équipe a perdu. Ouais, bah de toute façon, en même temps, je m'en doutais un peu. Hey, attrape! Hop! À terre! Bouge plus! Bouge plus, enfoiré! Carrément une humiliation de fin, c'est ça en fait. Putain, les gars, ils font des 6000 XP et tout là. Combien j'ai chopé moi? Ah, je sais pas, je suis arrivé en cours de partie en plus. Mais... Ah, ouais, d'accord. On pourra continuer. Améliore la position du tir au jugé, ça c'est ce que j'ai débloqué apparemment. C'est quoi ça, accéder au décodage? Un décodage de données permet de débloquer des modes d'armes uniques. Pour commencer, ouvrez simplement un décodeur et sélectionnez les données à décrypter. Ouais, j'ai pas tout compris là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Temps restant 10 heures. Alors là... Non disponible, c'est pour débloquer des modes, je sais pas ce que c'est. Non, 10 minutes, pardon, 10 heures. 10 minutes, bon, d'accord. Moi, je voulais voir combien j'ai fait d'XP. J'ai fait 5 éliminations, je suis mort 7 fois, j'ai fait R, c'est quoi? Ça doit être des captures. Enfin, j'ai chopé que 1500 XP. Oh, pas coyant. Élément à débloquer, ouais, d'accord. Croix continuer. Début dans 9, hein. Sillon, match à mort. Écoutez, on va se faire un petit match à mort dans la foulée. Hein. Pour le fun, on va essayer de pas trop crever. J'espère que ça va changer de carte. Par contre, ça serait pas mal de voir une autre carte. J'ai assez mis de temps à lancer cette partie pour ne pas déconnecter la vidéo tout de suite. Donc... Match à mort, sillon, progression des défis quotidiens, d'accord. Ok, n'y aurait pas un coéquipier à terre, régénérer et maintenir carré pour le mettre. Ouais, mais en principe, il y a toujours un ennemi qui attend pour plomber celui-là qui vient le soigner, j'ai l'impression. J'ai essayé de réanimer deux, trois fois des gars, je me suis fait plomber à chaque fois. Match à mort sur sillon. Ça, c'est didacticiel. Nous devons prouver que nous ferons toujours plus de victimes chez eux qu'ils n'en feront chez nous. Ouais, bah, match à mort, c'est un match à mort, on va passer ça. Croix, d'accord. Allez, c'est parti. Nous allons reprendre notre ville. Ouh. Regardez voir du monde là-bas. J'envoie une grenade. Regardez, personne ne le réanime, ce pauvre gars là. Je suis blessé, allez. Tabou, on y va. Ils étaient trop autour, il n'y en a pas un qui les réanime. Ah d'accord. Vas-y, il va me réanimer lui. Ouais, génial. Il y a plein de recoins dans ces cartes. Hein. Ouh. Incroyable. Regardez ça, il y a des recoins partout. Putain, puis c'est grand pour trouver les autres. Oh là là, incroyable. Regardez, puis on est vachement dispersé en plus. Je vais suivre l'autre, là, parce qu'il a l'air d'être sur un bon filon. Là. Alors moi, quand je joue à Call of Duty, je suis plutôt du genre... Ah, il avait un bouclier. Je dois recharger. Apparemment, il y a deux mecs là-bas.
voulais les réanimer l'autre, mais apparemment il y en a encore un. Oh, je me suis fait allumer par un autre. Toi, attention sur ta droite, il y a du monde. Je sais pas s'il y en a qui va venir me réanimer. C'est pas grave. C'est pas grave. Et une grenade. Oh. C'est bon, ça les tire à la tête. Débloquer balles rapides. A mon avis, il y a pas mal d'atouts qui ont l'air d'être déjà avantageux. Je l'avais vu l'autre en bas du coin là, mais putain, je voulais me faire celui-là d'en face. C'est pas grave. C'est pas mal ce multi là en fait. Hein. Un peu chaud quand même, faut connaître les maps. Hein. Mais putain, beaucoup de recoins et tout. Mais les tirs à la tête sont, ont l'air d'être assez faciles. Oula. Voilà, faut être assez réactif quand même. Oh putain, il y a du monde derrière. Je l'ai vu sur le radar, mais le temps que je me retourne, j'étais en train de recharger en plus. Je fais ça parce qu'il y avait un gars. Vous voyez, il y a un gars, il est passé à côté de moi, il m'a pas réanimé. Hein. S'il arrive quand même. On va essayer de maintenir tant trop tard. Ah, ça m'ennuie. Là, il y en a un qui est là. Oh, comme je vise très mal. Ça va péter. Oh, regardez tous les mecs qu'il y avait autour de moi. Regardez ça sur la carte. J'ai l'impression qu'il y a des snipers partout. Attention, c'est la carte qui bug là, c'est pas possible. Largage de propane détecté. C'est la carte qui bug, c'est pas possible. Ah oui, c'est la carte qui doit bugger parce que je sais même pas d'où je me suis fait tuer. Un coup de poing apparemment. Je reste accroché à la vie parce qu'il y a un mec qui s'approche de moi là. Mais il se fait tuer lui aussi. Bon, c'est pas la peine de rester accroché à la vie. C'est un gars qui m'a tué la machette. Et donc le radar était bizarre, il m'affichait les ennemis un peu partout mais je les voyais pas. Putain, toi t'as eu chaud. Ah, on peut pas monter sur le toit. Toi recharger. Oh, je sais pas si je l'ai eu. Ah non, il lui restait 70% de santé. Bon, ben, comme je suis tout seul, je ne vais pas chercher à me réanimer. Je regarde sur le radar, en fait, s'il y a des alliés autour de moi, s'il n'y a pas d'alliés. Regardez le planqué derrière son rocher. Oh là 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 là, c'est fou de voir ça. Ça en a l'autre qui m'a plombé dans le dos en attendant. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Hein. Voir des campeurs dans ce jeu là. Alors lui il était vraiment caché derrière son rocher. Je vais essayer de retourner là-bas. Mais je ne sais pas vraiment où c'est. Oh là là, un sniper planqué au bout de la rue. Est-ce que l'autre qui est à côté de moi va venir? Non, je ne pense pas.
qu'il y ait du monde autour de lui en plus. Instinct de survie. Espion ennemi dans les airs. Oups là, j'en ai vu un. Merde, un sniper. Attention, grenade. Il faut que je recharge. Allez donc, il m'a quand même eu. Il y a des planqués hein, quand même. Hein. Là, j'ose pas dire, mais au Magnum, il m'a eu à cette distance. C'est fou de voir ça. Ah, j'arrive plus. Autant j'arrivais bien à jouer au début de la partie. Putain. Je vais rester accroché à la vie parce que j'ai des amis autour de moi là. Ah non, lui aussi, il faut le réanimer. Je ne pense pas que si je vois qu'il se rapproche un peu. Allez, vas-y, Maya. Sauve-moi la vie. Trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Espion allié déployé. Avec leur bouclier là. Je dois recharger. Putain, il y en a un juste derrière moi là. Qu'est-ce que je me suis pris là? 113 de santé. Mais comment il fait pour avoir 113 de santé lui? Ils sont longs ces matchs à mort là. Où qu'il est lui? Il est derrière le rocher quoi. Regardez, sur le radar, je vois plein de flèches rouges. Alors, est-ce que c'est des leurres? J'en sais rien du tout. Abandonnez pas. Oh, où c'est qu'il est? Je suis minable. Faites attention! Pourquoi je reste accroché à la vie? J'ai pas un seul allié autour de moi. Alors, c'est vraiment balèze. Hein. Vous allez me dire, il y en a qui doivent avoir vachement de temps à passer. Moi, regardez, ça fait 6 jours, 5 jours que j'ai le jeu. J'ai seulement pu y jouer 7-8 heures à tout casser. C'est vraiment très peu. Et en multi, je vous dis, c'est vraiment ma première partie. Et donc là, j'essaye vraiment de parler. Au bout de la route, tout à l'heure, il y avait un putain de sniper. Je sais même pas où est le score, là. J'essaye de me diriger vers celui-là qui est à réanimer. Oh là là. Oh, je vise vraiment comme une balle. Quoi. Et une grenade. Oh là là, il y en a de tous les côtés. En fait, là, je regardais vraiment plus l'écran, je jouais à la carte, quoi. Là, je jouais vraiment à la carte. Ça va péter! Tu me laisses! Merde, je suis touché! On a besoin de toi ici! Est-ce que tu es dans les airs? Ah, il l'a eu. Galope partout, moi. Ouais, on est avec toi. N'ayez pas peur. Oh, je l'ai vu, mais je les vois trop tard, les mecs. Puis surtout que je vise comme un pied. C'est incroyable, ça. Putain, j'aurais pu me maintenir en vie. Il y avait du monde autour de moi. Bon, je l'ai pas fait. C'est pas grave. Il y a des morts du monde au bout du pont, là-bas.
Ah, votre équipe a perdu. Oh, comme ça m'étonne. Je suis donc mort incalculable de fois. Bon, c'est bon, on ne me voit pas dans les cinématiques de hey, fin. Debout, connard. Poc, poc, et repoc. Je peux faire ça toute la journée si je veux. Ouais. Bah voilà. Moi, je le multi est bien, mais je suis. Bon, on verra quand j'aurai vraiment terminé le solo. Décodage terminé. Croix continuée. Recharge évitée accélérée, réserve de munitions réduite. D'accord. Gardez le mode pour pouvoir l'utiliser quand vous modifiez vos classes, vendre pour 300 XP ou donner le mode à un ami. Ouais, on va le garder. Vous pouvez maintenant utiliser ce mode d'arme quand vous créez ou modifiez une classe. D'accord. Ok. Bon. Alors combien j'ai fait ? 13 éliminations pour 13 morts. Moi je m'en sers plutôt pas trop mal. Point de soutien qui vient. Réanimation de... Ah les R c'était les réanimations, d'accord. Ok, ok. Je suis deuxième de mon équipe. Putain, le premier il a 5000 XP. Oh. 5000 de score, je veux dire. Truc de fou. Pourquoi continuer ? Bon ben voilà les amis, vous avez pu voir un peu un aperçu du multi. Et que je ne suis vraiment pas très... Vraiment nul en multi. Mais bon, en même temps, je le découvrais. Bon, c'est pas trop méchant. Moi, en attendant, sur ce, je vous dis portez-vous bien, les amis. Et puis, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.